300 kilos de cuivre et un regard de dieu grec. Depuis un mois, cette sculpture géante veille sur le site archéologique d'Aléry. Des œuvres colossales, réalisées par l'artiste français Christophe Charbonnel. Ce sont des sculptures qui évoquent la mythologie, donc ça parle à beaucoup de monde. La thématique du héros, Persée, Thésée, Athéna, tout le monde a étudié ce genre de thématique. Pour réaliser ces personnages de plus de 2 mètres de haut, le sculpteur travaille sans modèle, se référant à des traités d'anatomie du 19e siècle, un résultat fascinant pour les visiteurs. Il est très fidèle dans les proportions, dans les têtes, dans les expressions. Vous voyez, c'est magnifique, je veux dire, c'est bien rendu, c'est vraiment très beau. Et on regrette pas parce qu'il y a ce site qui représente bien, si vous voulez, on voit que c'est une ancienne ville romaine et il y a effectivement ces sculptures qui viennent en plus. Il y a un lien, mais en plus il y a l'œuvre de Charbonnel qui est assez époustouflante. C'est vrai que je ne m'intéresse pas forcément à ça au départ, mais on a fait la visite guidée avec la guide et c'était intéressant au final. Perchés entre la mer et les sommets montagneux, ces statues mythiques ne dureront pas éternellement. L'exposition est ouverte jusqu'au 16 septembre.